Brabant, Heinrich, der deutschen König, kam zur Stadt mit euch zu Dingen, da des Reiches Recht. Gebt ihr nun Fried und folge dem Gebot. Reiches Haupt muss es geziemen, solch wilder Schmach ein Ende zu ersinnen. Als Kampfespreis gewann ich Frieden auf 9 Jahr, ihn nützlich zu des Reiches Wir. Und Burgen ließ ich bauen, den Heerwahn übte ich zum Widerstand. Zu Ende ist nun die Frist, der Dienst versaut. Mit wilden Thronen rüstet sich der Feind. Nun ist es Zeit, des Reiches zu wahren. Ob Ost, ob West, das gelte allen gleich. Was deutsches Land heißt, stelle Kampfescharen. Das steht wohl niemand mehr, das deutsche Reich. Von Brabant zur Heeres Volk nach Mainz euch zu entbieten. Wie muss mit Schmerz und Klage ich ersehn, dass ohne Fürst, wenn ihr in Zivitracht lebt, Verwirrung wilde Fehde wird mir kund. Drum ruf ich dich, Friedrich von Telramund. Ich kenne dich als aller Tugend preis. Jetzt rede, dass der Drangsal brummt, ich weiß. Die Wahrheit find ich, untreu ist mir fremd. Zum Sterben kam der Herzog von Brabant, und meinem Schutz empfahle seine Kinder. Die Jungfrau und Gottfried, den Knaben.
Treue Pflege seiner großen Jugend. Sein Leben war das Kleid und meine Ehre. Erwies nun, König, meinen grimmen Schmerz als meine Ehre, Kleid und Bierkraft. Wandel fühlte es, sah den Knaben einst zum Hals, doch ohne ihn kehrte sie zurück. Mit falscher Sorge frug sie nach dem Bruder, da sie von ungefähr von ihm verirrt, weil seine Spur, so sprach sie, nicht mehr fand. Blutlos war Albemin und ihn verlorene, der sie nicht mit Drohen nun in Hälse drang. Gleichem Zagen verweben, die gräßliche Schuld bekennt nicht sie uns hin. Es fasste mich Entsetzen vor der Macht, die mir Recht auf ihre Hand vom Vater mir verliehen, entsagt ich mir, ich staunter und nahm eine bei, das meinem Sinne gefiel. Des Friesen Fürsten Spross. Nun fühl ich Plage, wie der Elsa von Brand. Mit Recht, ich vernässe von des Herzogs Blut. Mein Vater zu aus dem Geschlecht, das einst auf diesen Landen seine Fürsten gab. Solche große Schuld, traumselig ist die eitle Macht, meine Hand voll hoch von sich stieß. Geheimer Puls, klag ich drum sie an. Wenn sie des Bruders ledig fand, könnte sie als Herrin von Brabant mit Lichtblitzmann ihre Hand verwehren und offen des geheimen Bullen fliegen. Ihnen soll nun das Gericht, Gott lasse mich weise sein. So in Recht und Gott ewig gehalten sein. Der Schild, wie sich gerichtet, streng und blieb. Recht
Weiter ist die Klage dir bekannt, die Schwer dir widerlich erhoben. Was entgegnest du der Klage? So bekennst du deine Schuld. Mein armer zu Hause.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
dies und achte wohl. Thank you.
sieg, bis ihr sein Leben mein. Ich schenke es dir mit zu de jeunes Saxons Ulf Lohengrin sur son bouclier et les bras bansons, Elsa sur celui du roi. Telramund, lui, qui vient d'être gracié en quelque sorte par Lohengrin, s'effondre aux pieds de sa femme Ortrund. Lohengrin et par là même Elsa ont triomphé, seule ombre au tableau l'intervention inquiétante de l'affreuse Ortrund. Vous venez d'écouter le premier acte de Lohengrin de Richard Wagner sur France Musique. Une interprétation donnée ce soir à l'Opéra Bastille à Paris avec René Pape dans le rôle de Henri Loiseleur, le roi de Germanie, Jonas Kaufmann, Lohengrin, Edith Haller, Elsa von Brabant. Et c'était dans le rôle de Telramund, Tomasz Konieczny,
Ortrund, Evelyn Erlitius et le héros du roi Egil Silins, les quatre Brabançons, Yun Yongro, Cyril Lovigi, Laurent Laberdesque et Julien Joguet, et les quatre pages, Irina Kopilova, Corinne Talibar, Laetitia Janson et Lila Farkas. L'orchestre et les chœurs de l'Opéra National de Paris sont tous placés sous la direction de Philippe Jordan, chœur d'ailleurs préparé par José Luis Bastos. Thank you.
fürchterliches Weib, was fand mich noch in deiner Nähe? Warum lass ich dich nicht allein? Zu Haus, lugst du mir nicht von deinem lieben Schlosshaus, die Untat habest du vergebene Seele. Mit eigenen Augen, wie Elsa selbst ihr Bruder im Weihevoll verflennt. Du bestricktest du mein stolzes Herz durch die Weissagung nicht. Halt mir der Rate wohl sei ist entspannt von neuen Grünen und herrschen in Brabant. Bewusst du so, wie sich von Elsas Hand der Reinen abzustehen und bis zum Weih zu nehmen, weil du ratlos zuletzt das Trotz. Oh, ich will. Dessen Name hoch in dir, dessen Liebe aller höchsten Tugendpreis, zu deinem Leben sämtlichem Genossen. Oh, hat nicht durch sein Gericht Gott mich da wie geschlagen. Aus deinem Mund
Kunde, furchtbar den Name. Nennst du deine Freiheit Kunde? Versprichst du wahr? Oh, hättest du im Kampf nur einen Finger hier, ja, eines Fingers Glied,
Oh.
Keine Lies versonnen, kein Werk zu hemmen, ich keine Macht. Das Unheil hat mit meinem Fall begonnen, nun schildet noch, in die Schahine gebracht.
fortum il tui sepunt. Drum hat et wohl, was euch durch mich hier sagt. In Bann und Acht ist Friedrich Telemann, weil untreu er den Gotteskampf gepackt. Wer sei noch nicht, der sich zu ihm gesellt, nach reiches Recht der selben Gott erhält. Gesandten Mann in Elsass ungemahle sich ersieht, mit Land und Krone von Brabant belegt. Doch will der Held nicht Herzog sein genannt, ihr sollt ihn heißen Schütze von Brabant. Oh,
jetzt dann eben das. Sonst gehen wir hier, wenn sie nicht geblieben. Wir leben ihm, wenn er in Arsi wohnt. Ich habe mich zärtlich und friedlich. Sicher, dass die Thema ist mit mir, so weit er ehrlich ist. Er weiß, wie die Schule weiten auf die Scheraden, wo er den Augen des Sohnes leuchten. Schön, wie Hey, God.
Ganz so schön. Ich weiß,
von einem Leben schön. In solche Taube dir frommen, des Reinheit hab ich willkommen. Nun soll der Klavier Rede stehen. Geschah mir recht, wohl sich, so solle dir ersehen, seine reine Sehe stehen. Ich ich ruf ich König hoch erhier, dir auf ich unadlich schelten, dass er die Flagge dir verhier. Gott, wenn sich alles hart ich wehren, oder ein Mensch an höchstem Rat.
mein Held, denn sie kühnen ungetreuen, um mich zu hier, was ihr klagt zu scheuen. Du bist so hier, du bist so hier, um was ihr klagt zu scheuen. Thank you.
Sei mir jetzt
Frohlos, die wir
erreicht. Das Unheil, dich erwartet, wird aller Welt es offen kommen. Ebenso und dürft es wissen, Thank you.
mein Herz entbrannt, find ich in jenem deutschen Land so kräftig gleichen wir verbannt. Nun soll es gleiches feind sich an, wir wollen Taufe ihn empfangen, aus seinen Böden Ostvergehr, soll er sich immer wagen wir. Für deutsches Land, das deutsches Bild, so seines Reiches Kraft bewirkt. Zum Ruhm, zur Größe von Brabant. Wen führt ihr her? Was muss ich schauen? Mich fasst bei eurem Anblick grau. So will's geschehen. Als Reichen aus bin ich hergekommen, als Reichen.
Madonna frech und froh, da dieser Wahnsinn mich überfallen, sagt, ob ich ihn mit Recht erschlug. Ich lach, dass vom Verrat von mir sich ließ erklären, dass bald, dass bald mir angetraut. Schild dort in Mitten, so kommt.
bekannt. Drin ein Gefäß von wunderfesten Segen wird dort als höchstes Heiligtum bewahrt. Es ward das Sein der Menschen reinste Frieden herab von einer Engelschar gebracht. Alljährlich naht vom Himmel eine zu stärken seine Wunderkraft. Es heißt, der Gral und Siegkranz der Glaube erteilt zur Hinsicht seiner Ritterschaft. Zum Streit für den Tod entrechten und in mich nicht seine heilige Kraft entfändet, bleibt als sein Ritter dort hier unerkannt. Doch ist es Gralssegen, ein Schild muss eines Laien Auge fliehen. Des Ritters drum, all Zweifel ihr nicht hegen, erkennt ihr ihn. Dann muss ihr
Oh,
Au loin, Lohengrin apparaît dans la nacelle. Il se tient tête baissée, tristement appuyé sur son écu. Éclate alors, dit le livret, une immense et douloureuse clameur. Malheur, crient les hommes. Inanimée, Elsa se laisse peu à peu glisser dans les bras de Gottfried, son frère bien-aimé et juste retrouvé. Tandis que la silhouette de Lohengrin apparaît de plus en plus lointaine, le rideau tombe lentement. C'était Lohengrin, opéra romantique en trois actes, musique et livret de Richard Wagner, une interprétation donnée ce soir à l'Opéra Bastille à Paris. Dans le rôle des quatre pages, Irina Kopilova, Corinne Taliba, Laetitia Janson et Lila Farkas. Les quatre nobles Brabançons, Yung Jong Ro, Cyril Lovigui, Laurent Laberdesque et Julien Joguet. Dans le rôle de Henri Loiseleur, c'était René Pape. Dans le rôle d'Ortrund, Evelyn Erlitius. Le héros du roi, Egils Silins. Friedrich von Telramund, Thomas Konietzny, Elsa, c'était Edith Haller, et dans le rôle de Lohengrin, Jonas Kaufmann. Orchestre et chœur de l'Opéra National de Paris, placé sous la direction de Philippe Jordan, avec un chœur préparé par José Luis Basso. La mise en scène, eh bien, c'est celle de Klaus Guth, mise en scène créée au Théâtre de la Scala de Milan en 2012, avec des décors de Christian Schmidt, des costumes également, signés Christian Schmidt, lumière Olaf Winter, chorégraphie Volker Michel et dramaturgie Ronny Dietrich. Bonsoir Jonas Kaufmann. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes donc à cet entracte après le premier acte. Vous étiez déjà à la Scala il y a 6 ans dans ce même rôle, dans cette même mise en scène de Klaus Guth qui fait donc de Lohengrin un ange blessé. Les auditeurs de la radio ne le voient pas mais on leur raconte. Wagner, lui, il souhaitait qu'on soit aveuglé quand Lohengrin arrive. Parce que Lohengrin, c'est quoi? C'est ce personnage surnaturel, mais c'est la lumière, véritablement, dans la voix, Jonas Kaufmann? Oui, peut-être dans la voix, mais aussi Wagner, je crois, il a créé un caractère de Lohengrin qui n'est pas uniquement dans la gloire comme un super-héros. Donc, c'est pas une idée nouveau. Donc, j'aime beaucoup cette idée de, oui, bien sûr, c'est toujours la majeure, ça c'est la gloire héroïque. Mais en plus, il chante beaucoup des choses vraiment doucement et aussi, surtout de l'opéra, la deuxième partie du troisième acte, tout est vraiment très triste. Et en effet, la tristesse qu'on trouvera en fin de troisième acte, que
chacun des personnages là est dans un destin vraiment très dur. On trouve déjà ici, je crois, en premier acte, dans cette scénographie. C'était l'idée, en plus, ajoutée, que j'aime aussi, d'avoir un Lohengrin qui lui-même ne sait exactement d'où il vient. Donc cette fameuse question, il peut pas répondre lui-même. Donc Klaus Gut jouait ici un peu avec le caractère de Kaspar Hauser, qui était vraiment très connu à l'époque, et aussi dans les années où Lohengrin est écrit. Et je crois que c'est déjà la preuve que Wagner même a vu Kaspar Hauser, donc c'était vraiment une impression que peut-être il a apporté aussi à cette œuvre. Ce mystère, Jonas Kaufmann dit, il y en a beaucoup chez Wagner, des personnages comme ça, on ne sait pas d'où ils viennent, il y a ce mystère qui est chargé. Un personnage chez Wagner, c'est aussi une voix, on sait d'où elle vient, la voix de Lohengrin, on va la chercher où, Jonas Kaufmann? La voix de Lohengrin, c'est une voix oui, très différente et très particulière. Vocalement, c'est comme un on et off. Je peux pas dire aussi si on trouve peut-être trois ou quatre phrases vraiment au mezzo forte, au mezzo piano. C'est ou piano pianissimo ou forte fortissimo. Donc, vous parlez de la voix sociale de cette caractère. C'est aussi une dimension intéressante pour moi là, que aussi moi du début, quand je connaissais pas très bien cette opéra, c'était clair que c'est la faute du Elsa, parce qu'elle posait cette question, donc il doit aller, bon, mais en effet, surtout dans dans le troisième acte, il parle de où il vient et de qu'est-ce qu'il a laissé pour elle et qu'elle doit remplacer toutes les beautés qu'il a laissées pour elle. Donc il se trompe absolument, parce que ça donne encore plus pression pour elle de poser cette question, qui est une question très naturelle, parce que une femme qui s'est mariée sans savoir le nom de mari, c'est étrange. Hein. Une dernière question, Jonas Kaufmann. Vous avez chanté ce Lohengrin aussi à Bayreuth, mais ici, si on parle de cette mise en scène de Klaus Gut, elle était dirigée par Daniel Barenboim à la Scala, elle est dirigée ici par Philippe Jordan. Peut-être que vous pourriez confier à France Musique quel est l'éclairage que vous ont donné ces deux chefs différents, le chanter sous la direction de Barenboim, mais ici avec Philippe Jordan, j'imagine que c'est pas le même Lohengrin non plus. Non, absolument pas, il n'est pas le même Lohengrin, parce que je crois ils ont une différence de 40 ans, et ça c'est logique que l'interprétation de la jeunesse est différente que de cette autre. Donc, par exemple, avec Philippe, tout est plus transparent, et moins lourd, et plus vite, mais pas trop, c'est vraiment une chose positive. J'aime en général beaucoup les tempos lentement, mais en ce cas ici, je dois dire, il m'a vraiment convaincu que quelque chose, j'ai toujours chanté trop lentement, et comme ça, il donne la place pour ralentir des moments vraiment très importants. Donc c'est ainsi pour moi une nouvelle façon d'une interprétation de cette Lohengrin. Merci beaucoup, Jonas Kaufmann.